Bonjour, je suis Christophe Ayen d'Aishian, 15e Dan Japon de Ninjutsu Bujinkan. Je pratique les arts martiaux depuis 1984. Je suis ceinture noire dans plusieurs disciplines, mais je me consacre à présent à l'étude de Ninjutsu au Japon sous l'égide de mon maître, Maître Atsumi Masahaki, où je me rends deux fois par an au Japon pour suivre son enseignement. Le ninjutsu est un vieil art martial japonais issu des champs de bataille enseignés par les ninjas et les samouraïs. La plus ancienne école a plus de 1000 ans et notre maître actuel, maître Masahaki Atsumi, nous enseigne les 9 écoles issues du Bujinkan, que sont Togakure Ryu Ninjutsu, Kokeshiden Ryu Apo Ikenjutsu, la Gyoko Ryu Koshijutsu, Shiden Fudoryu Dakenta Taijutsu, Kotoryu Kopojutsu, Gikanryu Kopojutsu, Takagi Yashinryu Jukiken Taijutsu, Ekumakure Ryu Ninpo et Gyokushin Ryu Ninpo. Ces écoles sont issues de clans de samouraïs et de ninjas. Différentes disciplines enseignées dans le Ninjutsu Bujinkan sont le Ninpo Taijutsu, les techniques à main nue, et on va retrouver également toutes les techniques avec des armes courtes, moyennes et longues. Le Bikenjutsu, le travail avec le sabre. Le Yarijutsu, le travail avec la lance. La Naginata, l'albarde. Le Rukubusho Bojutsu, le bâton de 1m80. Le Jojutsu, le bâton de 1m20. Hambojutsu qui est un bâton de 90 cm. Le Kuzurefundo Jutsu, l'art des chaînes. Le Shuko Jutsu, l'art des griffes. Le Shuriken Jutsu, l'art des lancers. Et Shinobi Eli, toutes les techniques de déplacement, franchissement, roulade, etc. Vous êtes dans mon dojo privé où je collectionne les différentes armes et outils d'époque de la guerre du Japon. Donc on va retrouver ici Kama, la Fossi, les Shuko, les griffes. Et on enseigne également le Jute. Dans le Ninjutsu Bujinkan, on enseigne également le combat en armure.